Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Watch Dogs The ou Fallout s'invite. Décharge le fichier de Umenzi Zulu. Umeni Zulu. De sur Detseg, d'accord. Mission difficile apparemment. What? Opération en ligne. D'accord, ok, d'accord. Je commence à comprendre ce que tu me veux, jeu. Donc, on va essayer de continuer la mission principale, simplement, la guerre des robots. Ou la guerre des robots, semble-t-il, hein. Le royaume des moutons. Invite. Aha! Taguer le panneau d'affichage de Truss. Ok, bah on y va. Allez! Voilà, merci. C'est bête quand même que le truc soit aussi long à venir. C'est casse-couille. Bonjour. Donc, il y a une mise à jour du jeu, chers amis. Je sais pas ce que ça va donner visuellement. Hein. Vous m'avez dit que de regarder simplement la pochette à l'arrière et vous verrez, et je verrai une différence. Effectivement, je vois une différence, chers amis, avec les textures précédentes, hein, mais bon, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est qu'on a une aventure peut-être un petit peu plus fluide. Mais il y a toujours cette espèce de flou cinétique qui me pète les couilles, personnellement. Si c'est ça l'année du jeu vidéo, de flouter un petit peu tout le reste, c'est pas ce qui me plaît. Mais enfin bon. C'est normal, on va pas se plaindre. Crac. Ah, il y a toujours ce clignotement de la mort aussi, hein. Ah, le jeu clignote. Merci Nvidia. Ok. J'ai l'impression, je sais pas si j'ai tout le son. Ouais, apparemment j'ai tout. Ok. On y va, dégage de ma route. Wow, j'aurais pu faire un petit saut là-dessus, mais j'ai eu trop... Ah non. Blah. Ah oui, j'ai stressé. J'ai stressé. Désolé, voiture. Mec, pas désolé, mais désolé, voiture. Ok, bonjour. C'est quoi ce délire? C'est un territoire de gang, ça? Haddock bosse avec eux, maintenant? Non, Haddock ferait pas ça. Ah, ça fait trois fois que ce truc-là, moi. L'inverse n'aurait aucun sens. C'est impossible. Point final. C'est peut-être plus compliqué que ça. Oh là 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 là. Ça fait 4 ou 5 fois que j'ai ce truc-là. Pardon. Crac, crac, crac. Bizarrement, je sens que je dois y aller à partir du truc. Excuse-toi. Excuse-toi. Je sais pas. Je sais pas. Alors, je pensais pas devoir aller aussi loin. Cassez-vous. J'ai tué personne. On se calme. Alors. Alors. Bon. Vous voyez, je pense qu'il faut que je monte là-dessus pour ensuite sauter sur quelque chose. Je pense, hein. Mais on va bien voir. On va bien voir. On va bien voir. On va pouvoir voler des gens au passage, hein, apparemment, parce qu'apparemment il y a plein de riches dans le coin. Enfin, plein, il y en a surtout un. Crac, merci pour tes 650$. Tu n'as rien vu venir. Vous avez perdu au loto, mais je n'ai pas joué. Vous avez perdu. Ok, porte. Sésame, ouvre-toi. C'est bon. Mmh. Vous voyez, mon avis, c'est que... C'est que je vais pas pouvoir monter. En tout cas, pas d'ici. Hein, clairement, il va pas faire le saut du cabri pour réussir à monter là-haut. Il me faudrait une capacité de vol. Est-ce que j'ai ça dans mes hacks? Est-ce que je peux me hacker moi-même et voler comme Neo? C'est ça la vraie question. Hein. Vous savez, genre un gros whoosh et je m'envole. Non? Non, ça marche pas? C'est pas prévu que ça se passe comme ça? Parce que sinon, moi, je vois que clairement une seule chose, c'est de passer par le... Ah. Laisse-moi t'aimer. Pas un SUV. Si t'avais pas plutôt une voiture de sport dans le coin.
Non, pas du tout. Ou une bécane. Bon, bah, il y a une compacte. Il y a une compacte. On va passer par la compacte. Je vois rien de mieux parce que la bécane là, elle va pas être top. C'est une Harley, hein. Ah, celle-là aurait pu être cool par contre. Bon, on va pas s'arrêter. Ah, elle tourne pas. La compacte ne tourne pas. C'est pas logique. Souvent, les compacts ont un angle de braquage qui est bien plus intéressant. Mais bon, c'est pas grave. Nous allons faire comme si de rien n'était. C'est pas ici. C'est où? Faut que je suive la ligne au sol, là, Marcus. Waouh, dégage! Mais putain. T'as qu'à avancer! C'est de ta faute, c'est pas de la mienne. Ok, on y va. Ça clignote de partout, c'est triste. Dégage. Alors c'est censé avoir été corrigé, chers amis, tout ça. Hein. Alors faudrait que j'aille jusque là. Mais je vois pas du tout comment je suis censé m'y rendre. Y a rien du tout. Mais cassez-vous. Restez pas devant moi. Alors, il n'y a pas d'hélicoptère dans le jeu, ça je suis certain. Aïe. Putain, mais tu... Les mecs, ils voient une voiture à l'arrêt devant eux. Non, non, je fonce dedans, hein. C'est elle qui va se pousser. What? Oh putain, il y a une grue. Ok. Ok, ok, on va essayer quelque chose. J'avais pas vu qu'il y avait une grue, quoi. What the fuck. Alors, on va pas pousser trop fort. Pousse pas trop fort. Pousse pas trop fort, sinon tu vas accoucher. Arrête. Hop. Par contre, du coup, elle s'est mis dans la mauvaise position. Quoi? Non. J'ai autre chose à foutre. J'ai autre chose à foutre. Mais bien sûr, il s'est suicidé là. Il y en a qui ont vraiment que ça à foutre. Enfin! Si tu te plantes, Marcus. Est-ce que tu veux bien pousser la voiture, s'il te plaît, Marcus? Star des réseaux sociaux, en fait. Le jeu vient de me planter. Alors où est-ce que je suis? Telle est la question. Oh putain. Physique quand tu nous tiens. Ok, allons-y en douceur. Voilà. Et on est bon, ça y est, on a réussi. On est placé comme il faut. Ok. Allons-y, allons nous poser. Crac. Tout se passe bien. Boum. Ok, merci. Merci de ton soutien, merci de ton aide, madame la grue. Ça a été compliqué, hein. Beaucoup plus compliqué que prévu. Crac. J'ai la sale gueule de Truss sur un panneau publicitaire géant juste devant là. Sale Vas-y, gueule. Fais-toi plaisir. C'est parti. Ah, et sale gueule, effectivement, on dirait Bruce Willis. Donc, bon, moi j'aime bien Bruce Willis. Le hack qui se fait ici, d'accord. Ça se passe assez bien, ça se passe assez bien.
Donc comme prévu, chers amis, si jamais Ghost Recon Wildlands sort avant la fin de l'histoire, eh ben écoutez, j'arrêterai l'histoire, hein, vu que cette histoire, cette série n'est pas suivie énormément, chers amis. Je suis désolé pour ceux qui sont le petit groupe de fans. Pardon, excusez-moi. Mais je mettrai fin à l'histoire, enfin, je mettrai fin à la série, et on reprendra l'histoire, je pense, un peu plus tard, tout simplement. Une fois que Wildlands sera terminé, ou quelque chose comme ça. On verra, vous inquiétez pas, c'est pas définitif. Ok, donc j'ai juste racheté du caca dessus. Cool. Il saura qu'on en a après lui maintenant. Bon boulot. On a toute une équipe en train de bosser sur les autres panneaux de truss. Cool. Et moi j'ai créé une charge utile qu'il faudrait déployer sur le serveur d'Invite. Retrouve-moi devant leur bureau et je te brieferai. Ça m'intéresse un peu plus. C'est où ? À toutes. Ouais, d'accord, oui, j'ai gagné des followers, tout ça, tout ça. Et donc la suite ? Voir sur la carte. Ok. Trajet rapide ici. Et on y va, chers amis. On perd pas de temps. On optimise tout. Nous sommes des hackers. Nous optimisons à longueur de journée. J'ai fait un café. J'optimise à la goutte près. Je sais que c'est plus ou moins par là. Tu reçois un coup de téléphone, madame. Stop. Dégage. Tu me gâchais le paysage. Je préfère que tu partes dans l'autre sens. Merci. C'est dégueulasse, hein, les poubelles, elles sont de sortie aujourd'hui. Hein. J'aime pas ta tronche. Qu'est-ce qui va se passer alors? Vas-y, montre-moi ce qui va se passer. J'ai trouvé le traître, pardon. Alors? Alors? Allez, j'ai pas que ça à foutre. Allez, j'ai pas de temps à perdre. Ouh. Ah, je suis au milieu. Oh bah il est mort, hein, ça y est. Hein. Problème résolu. Précisez votre urgence, s'il vous plaît. Merde, c'est pas ce que je voulais faire. Connard, il t'a dans des gens en plus. Bon, c'est pas grave, j'ai pas réussi à les cibler. Parce que le système de ciblage de jeu n'est pas magique, je trouve. Mais enfin bon, c'est pas grave, vous inquiétez pas. Bonjour. Je me dis que les types sont nuls, mais bon, les gens se marquent quand même. Donc. Il y avait un blocage complet de l'animation, je sais pas pourquoi. Bon, enfin bon, c'est pas grave. Allons-y. Classe. C'était du beau boulot, le panneau. On voulait une réaction, on a eu une réaction. Ah ouais? On a intercepté un email entre Truss et son staff, et il est très énervé. Il essaie de faire passer une loi contre les groupes ayant la capacité de révéler des directives et actions propriétaires. C'est nous, ça. Neutraliser. Elles sont royales, enfin... Invite a très envie de faire. C'est en partie pour ça qu'ils aident Truss. Mm-hmm. Tu vas devoir t'introduire dans le bureau de la PDG. Oh, Marie Gatskill. Et... voilà un exploit qui te permettra d'ouvrir... J'ai l'impression qu'il y a des problèmes avec toutes les animations du jeu, en fait, en termes de cinématiques. Je vais pouvoir ouvrir un magasin avec tout ça. Ouais, bah, celle-là, tu la vends pas. Je sais pas pourquoi, c'est une impression que j'ai. J'ai l'impression qu'elles sont moches toutes. Enfin bref, tout d'un coup, boum, grosse collision entre les deux trams. Bizarre. Ça s'est pas super bien passé là-dedans la dernière fois. Un putain de bad trip. Ouais. C'est l'histoire. À cause de ça, ils ont renforcé la sécurité, je vous signale. Ah ouais. Ah bah super. Donc en fait, je m'amuse à rentrer, à faire des choses. Ok, bon, bah merci pour ton argent. Je regarde juste, chers amis, où est-ce qu'on est l'épisode, quand même, avant. 15 minutes, c'est parfait. C'est parfait. On continue. Ah oui, il y avait moyen de rentrer par là. Ah merde. Ah merde! Ah merde! Et personne à la clé dehors! Ok. Mhm. Mhm.
Hop, je planque là. J'envoie ça. Ok. On n'est pas trop mal. J'ai obtenu la clé. Je le rappelle. Ok. Allez. Et de 1. C'est fait. Donc, apparemment, faut que j'aille en sous-sol aussi. De 2. Ah oui, je suis plus dans la dentelle, moi, chers amis. Hein. Maintenant, c'est... Ah, ouais. J'ai... De 3. Oh, non, j'attends pas. Comment ça, c'est quoi, ça? Hop. Ah non, moi je fais plus dans la dentelle, hein. Je suis désolé, mais là... Moi je ne rigole plus, madame. Hop. On y va, la suite. Mets-moi un truc là-dedans. Merci. Alors, apparemment, il faut que je descende. Et pour descendre, c'est par là. On y va. Et je m'en rappelle de cet endroit. Crac. Merci de me laisser passer. C'est sympa. Oh, je sens que ça va être casse-couille. Et c'est où que c'est bleu? Hop. On va mettre ça comme ça. C'est où que c'est censé être bleu ici? Là-bas, d'accord. Ok. Crac. Ok, j'en ai qu'une, génial, c'est la fête. Et on fait la brouette. On rit comme des sauts et on dégueule dans le caniveau. Ouais, c'est la fête. Ok, c'est bon. Ok. C'est bon. Conte partiro. Ok. J'en ai un! J'en ai plus! J'en ai deux! Il en faudra un troisième. Je sais pas trop comment il y va celui-là. Ok. Ouais, non. Non, ça me dit toujours rien. Devoir me faire chier jusqu'à aller dans une autre pièce. Faut que je fasse toute cette pièce-là aussi. T'es sérieux, mec? T'es sérieux, mec? Ok, bon, bah on y va alors. Désolé pour cet instant complètement brack. Brack and brack. Putain, je suis V, à mon réseau chinois préféré à fermer. Oh, pauvre bonhomme. Pauvre homme, pauvre homme. Ok. D'accord, je viens de comprendre, c'est le même principe que t'as... Ah, merde. Même principe que t'as... Que tout à l'heure, voilà, je vais y arriver.
C'est extrêmement simple comme puzzle, hein. Faut pas se voiler la face. Normalement, je fais ça. Tout s'allume. Et crac, tout s'allume encore. Et dans ce cas-là, maintenant, je peux aller rouvrir là-bas. Enfin, rouvrir, tout est relatif. Crac, voilà. C'était compliqué. Placer une backdoor sur les serveurs d'invite. Je pense que c'est ça, ça c'est bon. Ok, ça m'a duré 3 clics. Et c'est fait. Bien joué, monsieur. Alors, c'est du... De rien, madame. Est-ce que tu vois ce que je vois, là? On dirait... Putain! Ils utilisent Bellwether. Merde! Ça veut dire que Bloom est derrière tout ça? Les chiens, ils manipulent les gens de manière à ce qu'ils votent pour Truss. Tu sais quoi? On devrait pouvoir le modifier pour que ça joue contre lui. Ah ouais, ça me plaît. Pourquoi ça pourrait pas jouer avec nous aussi, tant qu'à faire? Bon, les mecs, vous êtes toujours pas en alerte? Vous avez pas toujours pas. Le téléphone de la PDG. Ouais, je m'en occupe. Y'a un mec qui arrive là. Ah putain, ils sont au-dessus. Oh la gueule. Ils sont au-dessus. J'ai stressé pour rien. L'alarme s'est déclenchée. On envoie des hommes sur place. Quel con. Quel con. Quel con. T'es pas sérieuse là. Hop. Moi je monte. Qu'est-ce que ça? Ah mais quel con. Hop là, c'est bon, j'y suis. Crac crac. Crac 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 crac. Vous êtes vraiment mauvais les gardes du corps, hein. Je veux pas dire, mais... Franchement, en vrai, vous êtes pas bons, hein. Et pourquoi d'un seul coup ce hack se fait pas? Pourquoi il passe son temps juste à faire ça, bêtement, et... Mettre sur écoute. Ok, ça y est. Super, on va pouvoir enregistrer ces conversations et comme ça on saura enfin tout ce qu'il y a. C'est vrai que j'ai eu un putain de rendez-vous de merde dans ce bureau, moi perso. Quittez les bureaux. Allez, barre-toi maintenant. Ouais. Ça doit pouvoir être faisable. Genre une vieille ligne droite ici, non? Une mission extrêmement difficile, hein. Je ne veux pas dire, mais... Bonjour madame. Merci madame. Oh, ce serait pas du russe, ça par hasard. Je n'ai pas de famille russe. J'aimerais en trouver une. Hop, ok, on va trouver une bécane. Mais ce n'est pas une bécane russe. C'est une bécane américaine. Ok, bon, on est bon. Je pense que si je fais ça, l'angle de braquage sera suffisant. Merci. Wouhou. C'est bon, je suis sorti. Josh, j'essaie de modifier l'algorithme d'invite histoire qu'on puisse niquer Truss. Ah, mais j'ai pas envie de faire ça. C'est dégoûtant. Organise un meeting devant l'hôtel de ville. Ça marche, okay. Je te retrouve là-bas. Cool. Ok. Pourquoi pas, on fait de la politique. On fait de la politique, on... Je suis pas fan de politique, je n'ai aucune foi dans mes dans nos politiciens. Mais pourquoi pas? Ok. Donc nous on va se rendre là-bas, chers amis, mais en attendant, moi je vais vous laisser là pour cet épisode, je pense en tout cas. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la pouce-vériser, la commenter, la partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom, dont vous pouvez trouver le lien dans la barrière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut et yop!